à Dieu de faire descendre son esprit et sa gloire au milieu de nous ce soir. Seigneur, fais descendre ton esprit ce soir au milieu de nous. Fais descendre ta gloire sur nous. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Parle du fond de ton cœur. Ne parle pas seulement sur la bouche. Prie avec engagement. Seigneur, fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit au milieu de nous. Sur nous ce soir. Prie. Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous. Seigneur, fais descendre ton esprit au milieu de nous. Prie. Seigneur, fais descendre ton esprit. Fais descendre ta gloire. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Fais descendre ta gloire sur nous ce soir. Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous. Seigneur, fais descendre ton esprit. Fais descendre ta gloire. Fais descendre ta puissance. Sur nous. Au milieu de nous. Ce soir. Prie. Seigneur, je veux expérimenter le déploiement de ta puissance. Je veux expérimenter les manifestations surnaturelles de ton esprit ce soir. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Psaume 119, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Tu peux dire amen sur ça. C'est une prière. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Il continue, il dit, ne me cache pas tes commandements. Frère, tout le monde ne comprend pas. C'est celui à qui Dieu ouvre les yeux qui comprend, qui contemple les merveilles de la parole. Et plus tu vois dedans, plus ça s'accomplit dans ta vie, plus ça te transforme. Tu vas reprendre cette prière. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ne me cache pas ta parole, mais ouvre-moi les yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, ne me cache pas ta parole. Frère, tout dépend de ça. Comment nous comprenons? Comment nous voyons dedans? Dis, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je t'en supplie. Ne me cache pas ta parole. Ne me cache pas ta parole. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Pour que je contemple les merveilles de ta parole. Reste de l'avant. Insiste. Que tout voile en moi soit ôté. L'obscurité soit éliminée. Parle encore, mon frère. Parle, insiste. Insiste. Pour que je puisse contempler la merveille de ta parole. Ne me cache pas ta parole. Ne me cache pas ta parole. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Pour contempler la merveille de ta parole. Mon frère, prie. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grande prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Pour que je contemple les merveilles de ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frapper les mains et prier comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, avec toi, il n'y a pas d'impossibilité. Tu es mon Dieu. Élimine toute impossibilité de ma vie. Élimine toute impossibilité de mes expériences. Élimine toute impossibilité dans les événements de ma vie. Avec toi, il n'y a pas d'impossibilité. Je ne vais pas vivre avec des impossibilités.
élimine toute impossibilité de ma vie, de mes expériences, du cours de ma vie, des événements de ma vie. Frappe la main et commence à prier avec foi. Il n'y a pas d'impossibilité avec notre Dieu. Pourquoi nous, ses enfants, nous allons vivre avec des impossibilités, des choses qui sont difficiles à se passer? Dis mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Je ne veux pas vivre avec des impossibilités. Mon frère, prie Adama. Ta prière manque encore d'engagement. Ta prière manque de feu. La prière qui va éliminer les impossibilités. Dis-moi, Dieu, mon Père, avec toi, il n'y a pas d'impossibilité. Avec toi, rien n'est impossible. Élimine de ma vie. Élimine de ce que je fais. Élimine de mon ministère. Élimine de la vie des miens. Ma femme, mes enfants. Toutes sortes d'impossibilités. Seigneur, élimine les impossibilités. Est-ce que tu peux prier encore avec plus de feu? Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Dis à Dieu, je ne veux pas vivre avec des impossibilités. Élimine. De mon expérience, du coup de ma vie, des événements de ma vie, Seigneur, élimine toutes sortes d'impossibilités. Élimine les choses qui sont difficiles à faire, difficiles à se réaliser. Seigneur, élimine les impossibilités. Prêt. Dans ma vie, la vie des miens, mon corps, ma santé, mon foyer, mon travail, mes destinées, papa, mon avenir, élimine les impossibilités. Seigneur, élimine la vie de mes enfants, la vie de ma femme, la vie de mon mari, mon foyer, ma carrière, mes finances, mon travail. Élimine les impossibilités. Mon frère, prie avec foi. Ça peut se passer ce soir. Et désormais, tu verras ce qui était difficile, voire impossible, va commencer à se passer dans la facilité. Pray. Oh, papa. Dans mon ministère, dans ma vocation, élimine les impossibilités. Dans la vie des miens, oh, Père, élimine les impossibilités. Avec toi, il n'y a pas d'impossibilité. Père, que cette vérité soit comprise dans ma vie, soit comprise dans mon vécu, soit comprise dans mon vécu, soit comprise dans mes expériences. Élimine les impossibilités. Pray. Mon frère, continue à presser de l'avant. Il y a beaucoup d'impossibilités avec lesquelles nous vivons en adorant le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est une aberration. Ferme tes yeux et prie. Si tu n'as rien, que tu ajoutes à Jésus. Si tu n'as rien, que tu ajoutes à Jésus. Si c'est seulement en lui que tu crois, ferme tes yeux et prie avec engagement. Élimine l'éternel, élimine.
Jesus name we pray. Tu vas élever la voix et prier. Que tout arbre de problèmes persistants qui est planté dans ma maison, qui est planté dans mon corps, dans ma vie, dans la vie des miens, ce soir, que la main de Dieu les arrache, que tous ces arbres soient arrachés. Je ne dis pas couper, arracher, dessoucher, déraciner. Frappe les mains et prie comme un Prayer. Tout arbre de problèmes persistants qui poussait dans ma vie, dans mon ministère, dans ma maison, la vie des miens, dans le peuple, la vie des frères, la vie des sœurs. Ce soir, qu'il soit arraché, déraciné. Tout arbre de problèmes persistants qui poussait dans mes affaires, qui poussait dans ma vie professionnelle, qui poussait dans ma santé, dans mon corps, dans mon avenir, dans ma maison, dans mon mariage, soit déraciné. Frappe la main, Arrache, dans mes finances, dans mes affaires, dans mon ministère, ma santé, mon corps, dans mon avenir, ma vie professionnelle, dans mon mariage, arraché, dans la vie de mon enfant, dans la vie de mon mari, l'arbre qui est là et qui symbolise un problème persistant. Qui poussait? Soit arrache, Jesus name we pray. Amen. Psalm 33:9. Alléluia. Vite. Quelqu'un prend avec moi Matthieu 8:8. Vite, on va se refroidir. Psaume 33:9. Car il dit. Il dit. Et la chose arrive comme ça. Il ordonne. Et elle existe. Et la chose se passe comme ça. Matthieu 8:8. Le centenier répondit. Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur. Dis seulement une parole. Amen. Et mon serviteur sera guéri. Tu vas élever la voix et dire mon Dieu, mon Père. Ce soir, pas demain, ce soir. Ordonne ma délivrance. Hein? Ce soir, ordonne ma guérison. Ordonne ma libération. Ordonne mon élévation. Ordonne ma victoire. Dis la parole de ma délivrance. Frappe la main et commence à prier au nom de Jésus. Prie. Quand il va dire, ça va se passer comme ça. Mon Dieu, mon Père, ce soir, dis la parole. La parole de ma libération. La parole de ma délivrance complète.
Ordonne mon affranchissement. Dis la parole de ma victoire. La parole du changement dans ma maison. La parole de la prospérité dans mes affaires. Est-ce que tu peux parler? La parole de mon élévation surnaturelle. Dis seulement. Dis ce soir. Ordonne ce soir. La parole de ma promotion. Dis la parole de ma réussite. Dis la parole de ma libération. La parole de ma victoire. Ordonne ma victoire. Ordonne ma victoire. Ordonne mon élévation. Ordonne ma prospérité. Mon frère, parle. Ordonne ma délivrance. Pray. Ce soir, dis une parole sur mon foyer. Ordonne le changement. Dis une parole sur mes affaires. La parole de la prospérité. Oh, sur mes affaires, sur mon ministère. Oh, papa, dis la parole. Dis ce soir. La parole de la réussite sur mes enfants, sur mon mari, sur ma femme. Mon frère, prie. Parle. Si tu parles, il va parler. Prie, il va parler. Et quand il va parler, ça va se passer. La parole de la victoire totale. La parole de la victoire définitive. La parole qui va mettre fin à tes luttes et à tes conflits. Dis Seigneur que la parole sorte de ta bouche ce soir. La parole de ma réussite globale. Oh Baba, dis la parole. Dis la parole. Au nom de Jésus, dis la parole. Mon frère, parle. La parole de ton miracle. Frappe les mains et presse de l'avant. Parle, il va parler. La parole qui va mettre fin à mes luttes et conflits. La parole de la réussite globale. De la prospérité surnaturelle dans le ministère. Dis une parole sur mon foyer. Dis une parole sur ma santé. Dis une parole concernant mon fils, concernant mon mari, concernant ma femme. Le centenier a dit, je sais que si tu dis, ça va se passer comme ça. Dis une parole sur mon serviteur. Oui, dis une parole sur mes finances. Dis une parole sur ma vie professionnelle. Dis une parole ce soir, sur mes entrailles. Dis une parole sur ma vie sentimentale. Dis une parole sur mon avenir. Parle, tu vas le pousser à parler. Il dit et la chose se passe comme ça. Jesus name we pray. Jesus in come. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Ça reste un peu hein. Première phase. On va revenir dessus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les effets de la question qui suis-je. Le premier effet que cette question produit dans la vie de quiconque se la pose sincèrement. C'est avoir et maintenir une vie de gratitude. Amen. Lève la main, tu vas dire, Seigneur, libère-moi de toute pensée. Parole, attitude et action, comportement d'ingratitude. Seigneur, libère-moi de ça. Lève la main et parle à Dieu au nom de Jésus. Nous en avons beaucoup, il y en a tellement. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Je t'en supplie Seigneur. Toute pensée d'ingratitude, toute parole d'ingratitude, toute attitude d'ingratitude,
tout comportement ou action d'ingratitude. Seigneur, élimine-le de ma vie. Libère-moi de ça. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Autre chose, nous avons dit que cette question nous rend humbles. Deux, elle nous cherche, elle nous pousse à chercher à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. À faire sa volonté en toutes choses. Ça, très rapidement, je vais vous rappeler les trois choses qui indiquent que quelqu'un cherche à plaire à Dieu. Comment nous prenons la parole de Dieu? Notre attitude envers la parole de Dieu. C'est très très important. Alléluia. Alléluia. Frère, je vous ai dit ça à la réunion des ouvriers. Que un élément de la philosophie de ce ministère, c'est d'orienter le message, d'orienter l'enseignement vers l'application, la pratique, le vécu, l'expérience. Frère, si nous avons compris, ce n'est pas seulement écrit dans le cahier. Et que ce que nous disons, c'est orienté vers la pratique. C'est orienté vers l'application. Le vécu, l'expérience. Frère, même après ce seul enseignement, tu ne seras plus la même personne. Mais souvent nous sommes là, si on écoute, on écrit, mais on ne fait plus rien avec ça. Très peu de personnes reviennent même sur ça. Alléluia. Lisez Acte 17 chapitre 11. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes là en Duxi, nous sommes là. On ne voit pas les messages dans notre vie. Que Dieu ait pitié de nous. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ces Juifs, c'est-à-dire les Juifs de Béré, avaient des sentiments plus nobles. Juifs nous aimaient Aïka et ton les lignes et ton les levaux à nous coucan. Que ceux de Thessalonique. Que ceux de Thessalonique. Coucan, aimaient aussi Thessalonique les. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est le vrai chrétien, ça. Amen. Il prend note. Il est arrivé à la maison. Chaque jour, il examine les Écritures. Pour voir ce qu'on leur a enseigné là. Est-ce que c'est conforme d'abord à ce que Dieu a dit? Il examine, il mire leur vie dedans. Et je vous ai dit ici à la réunion des ouvriers, la question que les enfants de ce ministère doivent se poser après un enseignement, que dois-je faire après ça? Après cet enseignement-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? En quoi ça m'interpelle? Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Alléluia. Alléluia. Frère, si la parole de Dieu ne rentre pas dans notre vie, Dieu ne fera pas grande chose. Dieu ne fait rien sans sa parole. Rien. Rien. Ouvre-toi. Et laisse la parole de Dieu rentrer dans ta vie. Lisez-moi. Jacques. 1:26 à 27, je crois. 26 à 27. Jacques, si nous comptons, si nous comptons, 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 nous
Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue, commence par le verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Lève la main. Tu vas dire que les raisonnements, les pensées, les préjugés, les forteresses qui sont en moi et qui m'empêchent de prendre la parole, de pratiquer la parole. Saint-Esprit, ne me laisse pas vivre avec ça. Renverse-les de ma vie. Tu peux dire amen sur ça? Parce que ces choses vont te transformer en un ennemi de Dieu. Il y a des pensées que nous avons et qui nous transforment en un ennemi de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, renverse ces pensées de ma tête. Renverse ces raisonnements de ma tête. Renverse ces forteresses de ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois sincère avec toi. Frère, ce que tu fais de la parole de Dieu, ça peut te rendre agréable ou désagréable envers Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus de Nazareth, les pensées, les raisonnements qui sont en moi, les préjugés, et qui m'empêchent d'accueillir favorablement ta parole, de pratiquer ta parole. Seigneur, renverse-les de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoutez-moi. On ne vient pas en Jésus pour regresser. Si tu es venu à Christ et tu vas en arrière, il y a un problème à la manière dont tu prends la parole de Dieu. Nous prions. Le problème, ce n'est pas la prière. Non, mais c'est ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit. Regarde toutes les prières que nous avons faites tout à l'heure. Quelqu'un qui est chrétien engagé envers la parole de Dieu, frère, sa prière va produire des effets dans le spirituel. Mais si toi-même tu es un moqueur, tu entends, tu laisses. Frère, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui, vas-y. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, oui, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, lit avec beaucoup plus d'intonation. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, oui, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est banal. Si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, tu ne pratiques pas la parole. C'est-à-dire, ne dis même plus rien dessus. Tu ne pratiques pas. Celui qui écoute et n'oublie pas, qui est persévérant, et se met à l'œuvre pour pratiquer ce qu'il écoute, il sera heureux dans son activité. Donc, comment nous prenons la parole? Notre attitude envers la parole de Dieu. Deux, notre engagement envers la volonté de Dieu. Comment nous cherchons à faire sa volonté? Comment nous sommes engagés envers la volonté de Dieu? Frère, je vous ai dit, il y a fait la volonté de Dieu, parfois ça va être coûteux pour nous. Ça va être coûteux même. Parfois c'est un sacrifice. Mais ce que ça rapporte, le fruit est doux.
Alléluia. Alléluia. Frère, nous préférons sacrifier la volonté de Dieu pour plaire à quelqu'un. Pour plaire à quelqu'un. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Job chapitre 11. À partir du verset 13. Job 11 à partir de 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, Momo, tu lèveras ton front sans tâche. Anawazeta tu yaga wiweton. Tu seras ferme et sans crainte. Analido bo hesina na yuea. Tu oublieras tes souffrances. Anawo vesi setuele. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Anawafinyeli sot siyesawa yodon. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Besan tu enawado weziza kude wesivo kwemeton e. Amen weziza, amen weziza. Éclat, c'est ça. Enase. Enatazo kuka wesivo kwemeton. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Zivlou tuele nawa chiriron et sans entendre aïté rontondon. Tu seras plein de confiance. Bwana gokpo jididepo. Et ton attente ne sera plus vaine. Bonu kunido tue sonaido fome. Tu regarderas autour de toi. Anakon le dotue. Et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Quand on dit plusieurs caresseront ton visage, ça veut dire quoi? Les gens vont chercher ta faveur. Ils vont te cajoler, ils vont te flatter, ils vont chercher à être avec toi. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Enfin, la parole de Dieu est une merveille. Tu ne fais rien contre quelqu'un. Parce que parfois on pense qu'on fait quelque chose contre le pasteur qui parle. Non. Tu ne fais rien contre quelqu'un. La Bible dit si tu es sage, tu es sage pour toi-même. Tu ne fais rien contre quelqu'un. Parce que oui, tu fais rien contre quelqu'un. Parce que parfois c'est dans la tête de certaines personnes. C'est contre toi-même tu travailles. Point. Je veux te le dire clairement. Tu te détruis toi-même. Frère, ce que nous faisons de la parole peut nous rendre agréables à Dieu. Comment nous accueillons la parole? Comment nous faisons des efforts pour pratiquer? Comment nous sommes engagés envers la volonté de Dieu peut nous rendre agréables à Dieu ou désagréables? Agréable ou désagréable? Au Dieu, à ses yeux. Tu peux avoir des défauts. Mais ton attitude envers la parole de Dieu est déterminante. Ton engagement envers la volonté de Dieu est déterminante. Job 23, 11. Dieu dit ceci. La parole de Dieu, Job, c'est Job qui est en train de parler. Job, excuse-moi. Oui. Oui. Qui s'est attaché à ses pas? Écoutez bien. Mon pied s'est attaché à tes pas. J'ai gardé sa voix. J'ai gardé la voix de Dieu. Et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Point. Moi, c'est Dieu, le Québonando, c'est ton nouveau. Amen. Quelqu'un a dit amen. Amen. Mon frère dit amen. Fort, je vais attendre ça. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche.
Parce que Dieu a dit ça. Je mets ma volonté à côté. Je mets ma volonté à côté. C'est là quelqu'un qui honore Dieu. C'est là quelqu'un qui est engagé envers la volonté de Dieu. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai une volonté. Mais devant sa parole, je plie ma volonté. C'est ça un chrétien sérieux. Un chrétien qui suit vraiment Jésus-Christ. Une telle personne, écoute-moi, ce que nous avons lu là-bas, ton soleil va briller. Je dis ton soleil va briller. Ta vie aura l'éclat du soleil de midi. Même ton obscurité, c'est-à-dire ce qui paraît obscur dans ta vie, sera comme le soleil de midi. Frère, tu vas te coucher en sécurité et rien ne pourra te perturber. Le soleil, Dieu lui-même sera ta sécurité. Frère, tu as tout à gagner dedans. Ton attente ne sera pas vaine. Verset 28. Ton attente ne sera pas vaine. À chacune de tes résolutions répondra le succès. Frère, écoute, le diable sait. C'est pourquoi il nous détourne des Écritures. Nous aimons la prière. Mais si tu es en train de prier même et tu négliges la parole de Dieu, zéro. Enseigne-le la recommandation, la grande mission à deux éléments. La grande mission à deux éléments. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Deuxième chose, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. Enseignez-leur à marcher dans ma parole. C'est ce que je suis en train de faire. Ce qui fait de toi un disciple, ce qui fait de toi un suiveur de Christ, c'est ce que tu fais de ces prescriptions, de ces commandements, des paroles de sa bouche. Nous sommes remplis de préjugés. Il y a une petite fille. Tellement j'ai parlé de préjugés, j'ai parlé de raisonnement. Elle arrive à la maison, elle dit les préjugés, les raisonnements. Elle dit, maman, écoute ce que ta petite fille dit. C'est vrai, nous sommes remplis. Notre tête est empoisonnée. Que Dieu ait pitié de nous. Je ne sais pas pourquoi nous venons à l'église. Venez s'asseoir à l'église. Écoutez la parole de Dieu. Quand tu sais que tu ne veux rien faire avec ça, écoute, tu es en train de te placer vraiment sous la malédiction. Tu es un moqueur. Et je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à quelqu'un. S'il te plaît, ne regarde pas à quelqu'un. Parce que tel n'est pas en train de faire. Non, ne regarde pas à personne. Il y en a. Ils ne veulent aller nulle part. Ils sont là. Et ils ne quittent jamais. Ils deviennent des mauvais exemples. C'est dans toutes les églises. Partout dans le monde. Ils restent à l'église, ils vieillissent là. Mais on voit ça sur eux.
C'est ça que je vous ai dit. On ne vient pas à la foi pour aller en arrière. Si Dieu travaille dans ta vie, tu iras de l'avant. Et Dieu travaille dans notre vie par sa parole. Frère, le monde a été créé par la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est venu nous sauver, c'est la parole faite chair. Dieu ne fait rien sans sa parole. Je prie que le Saint-Esprit te touche ce soir, qu'il te rende ministère vraiment, et que tu sortes de ton enfermement, de le carcan dans lequel tu t'es enfermé. Que le Saint-Esprit fracasse cela. Tu as dit contre toi-même. Alléluia. Troisième chose qui indique que nous cherchons à plaire vraiment à Dieu. C'est l'effort. Non, la volonté que nous avons et l'effort que nous faisons pour obéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais toucher très très rapidement ce soir deux petites choses et nous allons prier et notre programme est terminé. Ça, je ne vais pas durer ici, mais c'est très important. Amen. Se donner à Dieu et s'attacher à lui. Un autre effet très important de la question qui suis-je, Seigneur, est le don de soi à Dieu et l'attachement à Dieu. Le don de soi à Dieu et l'attachement à Dieu. Frère, celui qui se pose sincèrement cette question, le zèle et l'empressement naît en lui pour Dieu et pour les choses de Dieu. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Tu as de l'empressement pour la maison de Dieu. Lorsque quelqu'un, à un moment, il doit être dans la maison de Dieu, se retrouve ailleurs, autre que la maison de Dieu, et n'est pas dérangé. Frère, cette personne ne sait rien. C'est un aveugle. I tell you. Il se pourrait, ça peut arriver, que des empêchements légitimes font que nous ne sommes pas dans la maison de Dieu au moment où nous devons y être. Mais en ce moment-là, ton cœur sera dans la maison. David a dit, j'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pour certaines personnes, quand tu leur dis ça, c'est comme si tu es en train de leur faire patron. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Je prie que tu naisses. J'ai de la joie dans mon cœur quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David a dit, toujours le même David là, parce qu'il dit, mais qui suis-je, Seigneur? Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille passés ailleurs, dans les réjouissances et dans les fêtes. Un jour passé dans tes parvis me donne plus de joie que les festins. C'est les gens qui sont nés en qui l'Esprit de Dieu travaille encore. Frère, écoute, quel est ton attachement? Quel est ton zèle? Ton empressement pour Dieu et pour les choses de Dieu? Plus tu réalises ton indignité, tu réalises que tu ne mérites pas, plus tu es rempli de gratitude, c'est la conséquence immédiate et le don de soi à Dieu. Le don de soi à Dieu, l'attachement à Dieu, l'affection pour les choses d'en haut. Frère,
Ça ne se cache pas. Et non, là. Quand on voit ça se passer chez quelqu'un, on sait. Quelqu'un aussi qui fait parce que, frère, on n'a pas besoin de te pousser. On n'a pas besoin de t'encourager. Non, ça se passe juste en toi parce que quelque chose se passe en toi. Point. Non, vie était donc vous donnant sa bonne à l'eau et n'a donc qu'en amène et n'a ou à l'eau et ou et notre job ou à l'eau et notre job est faux. Mais si tu es comme une montre suisse, il faut remonter. Le jour où on oublie de te remonter, c'est que tu ne travailles pas. Tu tombes en panne, ta foi tombe en panne. J'en ai un comme ça, c'est dans ma voiture. Oui, il y a une montre suisse comme ça. C'est-à-dire, si tu oublies de le tourner trop, et que tu es en panne. Est-ce que tu peux te dire, je ne suis pas une montre suisse? Remontable. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que toi, et je vous ai dit ça, le témoignage commence par la maison. Toi et ton mari, toi et ta femme, est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et commencer à dire, qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui pourrait dire? Qui pourrait songer? Est-ce qu'il t'arrive de te demander ça? Est-ce que tu rassembles tes enfants et tu leur dis, mais qui sommes-nous? Est-ce que vous mettez ça dans leur tête? Qu'il y en a maintenant, il y a des parents, leurs enfants sont couchés à l'hôpital. Mais vous n'êtes pas ça pour moi. Qui sommes-nous pour cette grâce? Nous sommes omnibulés par les problèmes. Que Dieu ait pitié de nous. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Il y en a qui sont en train de pleurer sur les enfants. Les enfants sortent, ils ne savent pas où ils sont. Dormir dans la rue. Les petits enfants qui échappent à l'autorité parentale. Mais ton enfant est là. Même si encore, il ne réussit pas comme tu veux. Il est là dans ta main. Est-ce que tu penses que c'est ta force? Parce que tu es un très bon éducateur. Je ne rate pas l'occasion pour lui dire chaque fois, tu es mon plus grand bienfaiteur. C'est ça. Nous devons montrer notre reconnaissance par des paroles de reconnaissance, des paroles de louange, des paroles d'action de grâce. Frère, qui peut te faire ça? Qui peut te faire ça? La Bible dit qu'Israël le dise. Celui qui veille sur toi, il ne somnole pas, il ne dort pas. Mais qu'est-ce que tu vas payer à celui-là? Pendant que toi tu dors, lui il est là, il ne dort pas, il te regarde. Pour que rien ne te touche dans ton sommeil. Pour que tu dormes en paix et en sécurité. Pour que tu te réveilles en paix. Qu'est-ce que tu peux payer à celui-là? Ton gardien qui est là, les gens vont l'attacher et l'enlever et partir. Tu crois que c'est ton gardien qui te garde? Si l'éternel ne garde pas une maison,
Celui qui fait sur la maison travaille en vain, c'est ce que la Bible dit. Si Dieu ne bâtit pas une maison, celui qui travaille, travaille inutilement. Frère, qui sommes-nous? Nous sommes focalisés sur les histoires. Je ne sais pas ce que Dieu ressent. Frère, si vous allez dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que Dieu a éprouvé du regret. Genèse 6, verset 5. Il a éprouvé du regret d'avoir créé l'homme. Parce que chaque jour, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Aujourd'hui, chaque jour, nos cœurs sont tournés vers nos problèmes. Et je vais te dire quelque chose. Jésus, le Fils de Dieu, est crucifié. Lève ta main, dis amen avec moi. Comme le serpent est érigé dans le désert, Dieu a dit à Moïse, celui qui sera mordu et qui sera capable de ne pas regarder à la morsure, mais de regarder au serpent, c'est lui qui sera sauvé. Jésus a dit de la même manière, le Fils de l'homme sera crucifié. Celui qui sera capable de se détourner de sa morsure, la morsure de problème de la vie, et regarder à lui, c'est lui qui sera sauvé. Frère, tant que tu seras focalisé sur ça, tu vas mourir dedans. C'est pourquoi le diable, il nous prend et nous rive dessus. Parce qu'il sait que tant qu'on ne se détourne pas de ça, pour rendre grâce à Dieu, pour regarder au Fils de Dieu, nous allons y mourir. Nous sommes végés, nous végétons dans les plaintes. Que Dieu ait pitié de nous. Je parle à quelqu'un ce soir. S'il te plaît, lève-toi. Pour ton Dieu. Sers-le avec zèle. Sers-le avec empressement. Donne-toi entièrement à lui. Et il te fera ce qui reste. Frère, ce que tu ne peux pas faire, laisse ça à Dieu. Et occupe-toi de ce qui le concerne. Et il va s'occuper de ce qui te concerne. Il fera ce que tu ne peux pas faire. Frère, c'est un secret. C'est un secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu vas te plaindre 1000 fois. Tu vas accuser les gens 100 fois. Rien ne se passera. Alléluia. Alléluia. Frère, quelqu'un qui dit, oh, qui suis-je? Il commence à courir pour Dieu. Il a de l'empressement pour les choses de Dieu. Il a du zèle pour la maison de Dieu. Frère, la manière dont chacun de nous se donne à Dieu. La manière dont chacun de nous se donne aux choses de Dieu. Dépend de ce qui se passe en nous. Après ces enseignements, ils ont été réveillés de leur sommeil. Mais il y en a, ils sont encore là. Mais je prie pour toi, au nom de Jésus, le réveil qui va se passer en toi. Et tu vas te lever, te donner à Dieu. Que ce réveil se passe en toi. Si ça ne s'est pas encore passé, que ça se passe dans cette semaine. Au nom tout-puissant de Jésus. Frère, qui es-tu? Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. Il faut plus sacrifier Dieu, les choses de Dieu, pour les gens, pour les choses du monde. Ne fais plus ça. L'autre chose, et on va s'arrêter là, qui se passe, qui a un effet de la question, qui suis-je, Seigneur? Dépenser et se dépenser pour Dieu et les âmes. Dépenser et se dépenser
pour Dieu et pour les âmes. Bien-aimé, celui qui se pose sincèrement cette question, celui en qui quelque chose s'est passé, à qui Dieu a ouvert vraiment les yeux et qui s'est posé sincèrement la question, qui suis-je, Seigneur, sera prêt à se dépenser pour Dieu. Il va se dépenser pour Jésus. Amen. Pas seulement dépenser. Dépenser et se dépenser. Pour Dieu et pour les âmes. Frère, le degré de la manière dont tu es prêt à dépenser et à te dépenser pour Dieu et pour les âmes est une indication que sincèrement un jour tu t'es posé la question, mais qui suis-je vraiment, Seigneur? Non, vie nous dirait qu'on sort à ton aîné des adopés si sont maintenant sans vider vos ans nous et à donner nous ma aussi nous l'air et ne voyez déclare à son avis à quand vous avez vidé dans mais ouin quand il y a qu'on entend. Amen. Amen. Dépenser. Yenizan. Et se dépenser. Yenizan. 2 Corinthiens 12, 5. 2 Corinthiens 12, verset 15. Vite. On va lire trois passages rapidement. Corinthiens nous laisse oué mantawego. Deux Corinthiens 12, verset 15. Vite. Pour moi, je dépenserai très volontiers. Je vais dépenser très volontiers. Nous n'y en ensemble, mais les nous quand nous et je me dépenserai moi-même. Et je vais me dépenser moi-même. Bon, allez vos âmes de sounon. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Nous allons tomber. Même si. Tu sais-je. Oui. En vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Quelqu'un n'a qu'à lever la main, dit révélation. Dites très fort révélation. Même si vous ne m'aimez pas. Même si vous ne reconnaissez pas comment je me dépense sur vos âmes à cause de mon Dieu. Qui suis-je? Celui qui reconnaît. Quelqu'un qui réalise ce que Dieu a fait, est en train de faire la grâce de Dieu dans sa vie. Frère, il ne regarde pas aux hommes pour faire. Même si vous m'aimez moins, moi là, parce que je fais, parce que ce que je fais, ça ne dépend pas de vous. Je n'attends pas votre reconnaissance, mais ça dépend de ce que Dieu a fait en moi, ça dépend de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je le fais pour ce Dieu. Tu sais, quand je vous aime, vous m'aimez moins. Il y en a qui ont laissé tomber. Parce qu'on ne m'aime pas. Tu n'as pas encore vu. Yes. On ne m'aime pas. Frère, nous ne faisons pas en quête d'amour. Non. Nous le faisons parce que nous avons compris. Nous sommes prêts à nous dépenser. Dépenser notre temps. Dépenser notre corps. Dépenser notre énergie. Nous sacrifier pour ce Dieu. Même si les hommes ne voient pas. Même si ceux qui bénéficient de notre service ne nous aiment pas, nous sommes prêts à le faire encore. Frère, c'est ça celui qui a compris.
Insulte-moi maintenant. Demain, je vais veiller encore sur ta tête. C'est ce que je peux faire. Je vais gêner encore sur ta tête. Et si je peux encore dépenser sur toi, je vais le faire demain. Je vais le faire après-demain. Je vais le faire encore. Insulte-moi en même temps. À côté là-bas, je vais faire ça pour toi. Parce que je ne le fais pas pour ta reconnaissance. Je le fais parce que j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. Quelqu'un a qu'à dire Amen très fort. Si tu as compris, ne sommes pas motivés par l'amour des gens. Ce n'est pas ça qui nous motive, mais c'est ce que Dieu a fait que nous avons vu. Frère, l'Église ne connaît pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. L'apôtre Paul dit, je le dis à notre honte, beaucoup parmi vous ne connaissent pas Dieu. Même les gens parfois qui font les spirituels. Frère, si tu es démotivé parce que quelqu'un ne t'aime pas, et tu ne veux plus, tu es démotivé. Et que tu n'as pas compris, tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu, tu n'as rien vu. L'apôtre Paul dit, je suis prêt. Apostle Paul donne nos petits. À dépenser. Et à me dépenser. Pour ce Dieu-là et pour vos âmes. Nous m'avons pas le droit de mettre les pots. Frère, celui qui a vu. Non, vie, mais mort. Il ne calcule pas les dépenses. Et l'emploi à compte à nous, et dans un laiton. Non. Et où? Celui qui a vu. Mais mort. Il est prêt au sacrifice. Et donc, si ça, maintenant, il faut si ça. Celui qui a vu. Mais des mots. Il est prêt à rendre disponible ce que Dieu a fait de lui et ce que Dieu lui a donné. Et donc, si ça, maintenant, zéro petit trop, comme nous, et ma ou zézé, ou anako, nous, et ma ou ne. Frère, que le Saint-Esprit t'explique. Non, vie, big boy, when it's him, oui. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un. Mais à Dieu, parce que tu as compris que les gens t'insultent hier, quand tu vas te réveiller ce matin, sois prêt à te dépenser pour eux. Dis amen avec moi. Je dis sois prêt à investir et à t'investir encore dans leur vie. C'est ça. Investir et s'investir. God bless you. Alléluia. Alléluia. Celui qui a vu ne calcule pas avec Dieu. Non, il ne calcule pas avec Dieu. Il est prêt à faire des folies avec son Dieu. Celui qui a vu, il va de mieux en mieux. Il dépense de mieux en mieux. Il se dépense de mieux en mieux. Non. Et non, Wadeji. Il ne se retraite pas. Et non, doit il ne diminue pas. Et non, déco, mais il fait de mieux en mieux. Et non, kikona, frère, c'est ma prière à tout moment. Non, vite, que mon investissement, l'investissement de ma vie et mon investissement pour Dieu aille croissant. Quand le temps passe, aïe, go de blow. Ne regresse pas. Frère, j'ai découvert une loi. Après le programme, peut-être on va parler sur ça. La loi de la dégradation. Frère, si tu es soumis à cette loi, frère, tu n'iras pas de l'avant dans les choses que tu fais. Et tu vas dégrader. Frère, quand ta vie spirituelle est soumise à cette loi, ça t'amène à régresser spirituellement. Si ton service pour Dieu est soumis à cette loi, frère, tu iras en arrière dans ce que tu fais. L'apôtre Paul nous dit, travailler de mieux en mieux. Lisez-nous ça. Frère, quelqu'un n'a qu'à dire de mieux en mieux. Parle bien, frère, je veux t'entendre de mieux en mieux. Dis ça bien fort, de mieux en mieux. Frère, va de l'avant. Avance, progresse. Frère,
vie. Quand j'ai préparé ce truc-là, une question est montée à moi. J'ai réfléchi tellement. Hein. Je dis, là où je suis là, je veux aller de l'avant dans mon ministère. Montrez-moi une personne sur la terre qui n'est pas folle et qui ne veut pas que les choses aillent de mieux en mieux pour lui. Est-ce que vous connaissez un qui ne veut pas que sa vie aille de mieux en mieux, que les choses aillent de mieux en mieux pour lui? Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce même esprit pour les choses de Dieu? Pourquoi? Non, montrez-moi quelqu'un qui ne veut pas que sa condition de vie aille de mieux en mieux. Que ses affaires aillent de mieux en mieux. Que sa carrière aille de mieux en mieux. Mais pourquoi, pour notre Dieu là, nous n'avons pas cette mentalité? Fais mieux. 1 Corinthiens 15, 58, vite. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux, reprends bien. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Lève la main, dis de mieux en mieux. Je prie que cette année tu fasses plus. Dis amen très fort. Je prie que l'année prochaine tu fasses davantage. Dis amen très fort. Non seulement pour Dieu, mais dans ta vie, que les choses aillent de mieux en mieux. Et si tu souhaites que les choses aillent de mieux en mieux pour toi, frère, toi aussi, dans les choses de Dieu, va de mieux en mieux. Que Dieu te bénisse. Lève-toi sur tes pieds. De mieux en mieux. Frère, fais davantage cette année. Dans cette année de gratitude, fais davantage. Le pasteur Christus a dit la fois passée, même si tu as déjà fait, tu peux encore améliorer. Fais de mieux en mieux. C'est une indication. C'est un signe. C'est un effet de la question qui suis, Seigneur. Au lieu de rester là avec des raisonnements bidons, de mieux en mieux. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Ta vie spirituelle. Toi, ton engagement. Toi. Ton service pour Dieu. De mieux en mieux. Ni fombo de tiwe. C'est une décision personnelle. Les choses que tu ne faisais pas l'année passée, cette année de gratitude, prends la décision de commencer à le faire de mieux en mieux. Répète avec moi, de mieux en mieux. Prie davantage. Passe plus de temps avec la parole de Dieu. Sois plus assidu aux réunions. Sois plus ponctuel aux réunions. Témoigne plus aux gens. De mieux. Répète avec moi, de mieux en mieux. Dans ton offrande, de mieux en mieux. Dans ta dîme, de mieux en mieux. Action de grâce 2023, de mieux en mieux. Je n'entends pas mieux en mieux là maintenant. Merci. Mais de mieux en mieux, le demande c'est. C'est ça. Ouais. Quand toi tu veux que Dieu te fasse aller de mieux en mieux, dans ces choses aussi, toi-même fais-le de mieux en mieux. C'est ça.
Dans le tout puissant nom de Jésus. Lève la voix avec moi. David dit, lis-moi, lis avec moi. Genèse 30, on va faire quelques requêtes de prière. C'est le dernier jour aujourd'hui. Demain, nous sommes là pour la nuit de louange et d'adoration. Non, non, fais ça bien. Hey, écoute, fais ça correctement. Fais ça de mieux en mieux. De mieux en mieux. Fais ça de mieux en mieux. Fais ça mieux, de mieux. Fais ça encore plus. Yeah. Demain, nous serons là. Ouais. By God's grace. Nous allons prouver à Dieu encore demain. Mais qui sommes-nous? Les gens ont commencé l'année là, ils sont déjà morts. Mais les bêtes ont beaucoup aussi. Oh, oui, ton yo, baboyo, c'est fini. On les a déjà oubliés. Mais toi, tu es là avec tes bêtises. Ouais, car au fin, je suis là encore avec ma folie, malgré ma folie, je suis encore là. La patience de Dieu envers moi se prolonge encore. Dieu me supporte encore. Frère, qu'est-ce que je suis? Frère. En tout cas, je prie que tu comprennes comme j'ai compris. Tu vas devenir fou pour lui. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Oui. Genèse 39, 2. À partir du verset 2. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel, bon, commence par le verset premier. Le lui là, okay. C'est Joseph. Oui, en on haut. Fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Je vois, c'est Joseph bien Égypte tout homme. Et Potiphar, officier de Pharaon. Bon, Potiphar, Zoï, Wato Pharaon, Nito. Chef de garde. Dès nous congrès les Égyptiens. Égypte tout homme, nous. L'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. Et wa ode Ismaël nous l'a ben wazé jeté. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Bon, wa tonta okwe doué. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et non wa no de merci ton si kwe be. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bon, merci ton wa mon. Son maître vit, son patron vit que cet enfant, ce serviteur, cet employé, dans mes employés-là, est différent. Tu es avec celui-là. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Lève ta main, tu vas prier avec moi. Mon frère, oublie la fatigue. Amen. Amen. Prie. Bien, de mieux. Alléluia. L'Éternel était avec Joseph. La prospérité l'accompagna. Parmi ses semblables, les gens remarquent que lui l'a Dieu avec lui. Parce que ces choses se passent différemment. Là où c'est difficile pour nous, une porte s'ouvre pour celui-là. Une porte s'ouvre pour celle-là. Tu vas dire, mon Dieu. Au nom de Jésus, dans cette année de gratitude qui va s'ouvrir pour nous, que la prospérité surnaturelle m'accompagne. Tu peux dire amen que le ciel entend. Que la prospérité surnaturelle m'accompagne. Que la réussite surnaturelle m'accompagne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Invoque le Dieu de Joseph. La prospérité à tous égards. La prospérité surnaturelle. M'accompagne. Mon frère, parle. Ne coopère pas avec l'échec. Prie avec ardeur. Dieu de Joseph. Que la prospérité surnaturelle. La réussite surnaturelle. M'accompagne dans cette année de gratitude. Mon frère, prie, parle. Que la prospérité m'accompagne dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je vais faire, dans ma vie à tous égards. La prospérité surnaturelle, le progrès surnaturel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Écoute. David allait et réussissait partout. David, amen, lève ta main.
David allait et réussissait partout. David il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. La Bible continue et dit, vous êtes avec moi, il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel avait été avec lui. La Bible dit encore, les princes des Philistins faisaient des incursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les autres serviteurs de Saül. Et son nom devint célèbre. Lève ta main. Avant de parler sur toi, toi-même tu vas prier. Tu vas invoquer le Dieu de David. Tu vas dire entouré partout. Que le succès m'accompagne. Dans toutes mes entreprises. Que le succès m'accompagne. Mes projets, mes réalisations. Que le succès m'accompagne. Mes aspirations, mes attentes. Que le succès m'accompagne. À tes résolutions répondra le succès. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dans cette année de gratitude. Mon frère, prie bien. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. En tout et partout. Que le succès m'accompagne. Dans toutes mes entreprises. Dans mon ministère. Que le succès m'accompagne. Dans mes affaires, dans ma carrière, ma vie professionnelle. Que le succès m'accompagne. Que le succès m'accompagne. Que le succès m'accompagne. Que le succès m'accompagne. Que la réussite m'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mon frère, lève les mains, je vais prier pour toi. Dieu n'a pas changé. Amen. Il y a quelques requêtes que j'avais prévues, peut-être demain. Parce que demain, ça va être une nuit de louanges et de paroles prophétiques. Je crois que cette semaine, si nos cœurs sont bons, si nos cœurs sont bien disposés, frère, une porte surnaturelle, une porte de gratitude va s'ouvrir pour chacun de nous. Pour chacun de nous, moi-même, je suis dedans. J'attends des grâces inédites dans mon ministère. J'attends un succès éclatant dans mon ministère également. Mon frère, dis amen pour moi, mon frère. Dis amen pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève les mains dans le tout-puissant nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu fasse de toi une terreur pour tes ennemis au nom de Jésus. Que ta présence commence à faire peur. Que ta présence fasse trembler les gens qui sont contre toi. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, je prie que quelqu'un te voit et que son cœur palpite. Je prie que quelqu'un te voit et il perd la force, il perd le courage. Mon frère dit amen très fort, je vais entendre. C'est une grâce et un pouvoir que Dieu met son pouvoir sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai mis une requête ici. Mais je veux proclamer ça sur toi. À partir de cette semaine, je prie que Dieu te fascine. Que Dieu t'immunise contre les attaques de l'ennemi. Que Dieu t'immunise contre les œuvres des méchants. Mon frère dit amen trois fois. Que Dieu immunise ton mari. Que Dieu immunise ta femme. Que Dieu immunise tes enfants. Que Dieu immunise tes affaires. Que Dieu immunise tes bénédictions. Que Dieu immunise ta santé. Contre les choses des méchants. Et contre les attaques de l'ennemi. Lève la main et dis amen fort. Que Dieu te supprime. Avec ses grâces, ses faveurs, ses bénédictions,
au nom de Jésus. Que les effets de la question qui suis-je deviennent évidents dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que ces effets deviennent évidents dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu veille sur toi et sur tout ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus, tu vas prospérer. Tu seras en paix. La bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Au nom tout puissant de Jésus, le pouvoir de l'invincibilité va te revêtir totalement au nom de Jésus. Jesus name. Acclamez bien pour Jésus. Nous étions enseignés pendant 5 jours. On était enseignés pendant 5 jours. Dieu a fait des grandes choses pendant les 5 jours. Dieu t'a donné des sujets d'action de grâce. Dieu t'a accordé des victoires.